Bon gros, c'est des chaussures, faut t'en remettre. Hein. Ouais, vas-y, moque-toi. Toi, y a rien qui te tient à cœur, tu peux rien comprendre. En vrai, t'as rien à te reprocher, tu sais. Ils sont peut-être mieux comme ça. Eh, hey, une de perdu, 10 heures français, mon gars. Vas-y, fais le mec. J'ai un TAP, petite enfance. Alors qu'à part faire des gazouillis à des gosses et beurrer leurs biscottes, tu fais rien. Gros, tu te rends pas compte à quel point le développement des futurs jeunes est super important. Ils ont pas envie de se retrouver comme des merdes à rien foutre comme toi. Moi, je fais quelque chose, je suis utile, bien tu sûr. Vois. Bien sûr. En attendant, là, t'es avec nous, en train de faire la même chose que d'habitude, c'est-à-dire rien. Donc utiliser ton taux de productivité comme argument, c'est pas super justicieux. Bon, on fait quoi? Bon, les kebabs. Putain, c'est ouf. Dès qu'on s'ennuie, on pense à gringue. C'était pas un cure-dent, c'était le cas. Un quoi? Ouais. Répète. Il est chelou, le vieux de la maison au bout de la rue, vous trouvez pas? La grande maison, là? Elle est habitée. Ouais, moi je l'ai vu. Après, est-ce qu'il est vivant ou pas, j'en sais rien. Il est tout le temps là, il est figé, il bouge pas. Et dès que tu tournes la tête, il disparaît. C'est flippant. Ouais, il m'a tort. H24. J'ai jamais vu, moi. Tu sais, à force de rester dans tes petites aventures imaginaires, et tu passes à côté des petits côtés croustillants de la vie, tu sais. Bon, t'as fini de faire le poète, là? Et toi, t'as fini de faire l'artiste Picasso? C'est quand même marrant de s'appeler Picasso et de même pas savoir faire de peinture. Si ça se trouve, t'es un descendant de Picasso en plus. Et qui? Ouais, laisse tomber, si ça avait été le cas, t'aurais hérité d'un minimum de talent dans quelque chose. Eh hey, mais c'est possible en fait. De quoi? Et que Picasso soit descendant de Picasso. Ce serait ouf. En plus, on a droit à un minimum d'héritage. On parle de qui en fait? On parle de Picasso, le peintre. Tu connais pas? En vrai, le vieux, je suis sûr, il a plein de talents. Je suis à hanté. Si vous êtes si chaud, montrez-moi, je sais pas. Si vous voulez faire un truc comme ça, on irait dans un musée, pas chez le vieux. Tu nous vois dans un musée, nous? On est chez le vieux. Ouais, mais gros, je vous dis ça pour rire, hein, mollo. Et s'il est là, il sera discret. C'est une bien jolie bâtisse que vous avez là. De quand date-t-elle? Vous me fascinez, les jeunes. Vous nous faites vachement peur. C'est pas du thé, ça. Vas-y, on va le refaire. Tiens. Alors, comme ça, je vous fais peur. Disons que vous nous intriguez. J'ai toujours détesté le foot. J'ai toujours détesté plein de choses. Aujourd'hui, je me convainc que c'est bien. Je sors de mes certitudes. Mes certitudes passées qui faisaient un homme que je ne veux plus jamais être. Je suppose que vous détestez les jeunes qui ne parlent rien comme nous aussi. Qu'est-ce qui vous amène? Ça dépend des points de vue. Le vôtre? Je m'ennuie. Alors j'ai trouvé un prétexte pour faire quelque chose d'original. Vous vous ennuyez? Je fais rien et je perds beaucoup trop de temps avec mes amis là. Je ressens le besoin de faire des choses. Et les autres, leur motivation? C'est le prétexte que je leur ai donné. Venir voir votre supposée belle collection de tableaux. Vous aimez l'art? Je vous l'ai dit, c'est un prétexte. Et vous? Je suis un amateur d'art amateur.
J'ai l'argent, la carrière, la maison, la culture d'un homme qui devrait aimer l'art. Au final, pourtant, j'y comprends rien. Mais ma question était sincère. Êtes-vous sensible à l'art ? Je vais jamais dans des musées, mais je trouve ça cool. En ce qui concerne la musique, ouais, carrément, bien sûr. Et comment un homme d'une si grande réussite voudrait changer ses certitudes pour d'autres certitudes ? Comme je vous le dis, je n'ai développé aucune sensibilité dans ma vie. En fait, je n'ai pas vraiment vécu. Ça fait un an que je suis seul dans cette maison, à me dire que, bien sûr, si j'ai eu une belle carrière, argent, pouvoir, considération, mais seul, pour gagner ma vie, j'ai raté la vie. C'est drôle, il faut que je croise un petit loulou de quartier pour en parler vraiment. Vous avez fait de votre vie quelque chose de concret. Vous n'avez pas perdu de temps. Il reste pas mal de temps, là. On les voit, ces tableaux. Finalement, j'aurais bien aimé vivre comme vous. Maintenant, je vous envie.